Good morning, allez-y, dernier étude sur aujourd'hui, le Nishmat Avram Chayinor Berben Fortuné Mazal et Yedida Batester. Si vous souhaitez vous aussi l'idée d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Tmura Perikhe Mishnah Dalet. Areizo Tmurat Ola ou Tmurat Shlamim. Areizo Tmurat Ola, divré Rabbi Meir. Amar Rabbi aussi, im lekach nitkaven mitechila. Ho il vei efchar le kot shne shemot ke echat. Dvarav kaimin. Veim kshamar Tmurat Ola nimlach ve amar Tmurat Shlamim. Arizot Moat Ola. Mishnah, que dans son apparence, ça reprend exactement le même principe que la Mishnah précédente. Et réellement, c'est les mêmes principes avec quelques petites nuances. Et on commence d'abord par traduire toute la Mishnah d'un coup. Ça va vous rappeler un petit peu le sujet. Arizot Moat Ola ou Tmurat Shlamim. Bon, on a dit qu'il ne faut pas dire ou Tmurat Shlamim, mais dire juste Tmurat Shlamim. Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, sans le Vav Achibo. On parle d'une personne qui a un Korban Ola et un Korban Shlamim. Et puis, il apporte un nouvel animal, il a envie de le substituer à la place des deux. Il dit, cet animal que j'apporte, il sera la tmoura, le substitut, de la Ola et de la Shlamim en même temps. Comment il s'exprime? Il dit, celui-ci sera le substitut de la Ola et le substitut de la Shlamim. Plutôt, sans le « et ». Ouais, si je veux rester fidèle au texte, comme ça le Bartonora nous dit de dire. Cet animal-là sera le substitut de la Ola et le substitut de la Ola, le substitut de la Shlamim, sans dire le mot « et ». D'accord? Alors la Mishnah m'enseigne, eh bien, « Arezo Tmurat Ola d'ivrei Rabbi Meir ». Selon Rabbi Meir, ce sera juste une Tmura de Ola, uniquement. D'accord? C'est-à-dire la première chose qu'il aura dit, il a dit « Ola » et après il a dit « Shlamim », et alors il se fera « Adam nitfas mitrilat dvarav ». Littéralement, un homme se fait attraper par la première parole qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est comme ça qu'on avait expliqué dans la suite de la Mishnah, que dans la fin de la Mishnah précédente, que pour la Tmura et les Kochim, et quelques 6 exceptions en fait sur toute la Torah, on ne dit pas Torke de Dibourg que Dibourg d'Ami. C'est-à-dire qu'une de manière générale, lorsqu'une personne parle et qu'il va dire deux choses, et que la deuxième chose va contredire la première, il peut encore rectifier ses paroles. Pour la Tmura, ce que tu as sorti de ta bouche, ça s'applique. Et puis après, eh bien, tu te fais bloquer. Tu ne peux plus continuer. Tu ne peux plus rectifier. D'accord, on va apporter quelques précisions, c'est pas exact cette fois-ci, mais en tout cas, pour le moment, j'explique d'abord grossièrement la Mishnah. Donc, selon d'après Rabbi Meir, t'as dit, « Arezo Tmurat Ola Tmurat Shlamim », t'as dit que ce sera le substitut de la Ola, le substitut de la Shlamim, eh bien, si c'est devenu la Tmura de la Ola, ça peut pas être la Tmura de la Shlamim, donc ce sera la Tmura de la Ola, et c'est fini. D'accord? Tel est l'avis de Rabbi Meir. Amar Rabbi aussi, selon Rabbi aussi, non, c'est pas comme ça. Im la ka, le kach, im la, le chen nitkaven mitechila. Si telle était son intention depuis le début, c'est-à-dire au moment où il a commencé à parler, il avait prévu qu'il allait rendre cet animal à la fois de moitié Ola, moitié Shlamim, c'était ça son intention depuis le début. Puisqu'il n'a pas là, il ne peut pas exprimer deux mots en même temps. Il ne peut pas dire Ola et Shlamim en même temps. Il ne peut pas aller. Donc il est obligé de s'exprimer de deux manières, avec deux expressions, deux phrases, deux mots. Eh bien, si telle était son intention depuis le début, Dvarav Kayamin, ses paroles se maintiendront, et réellement l'animal il sera moitié Ola, moitié Tmurat Ola, moitié Tmurat Shlamim. On le laissera paître jusqu'à qu'il va avoir un défaut, on va le vendre, on va récupérer 1000 shekels, 500 shekels on va porter un korban Ola, 500 shekels un korban Shlamim. Mais, Ve'im Mishé Amar Tmurat Ola, mais si depuis le moment il a dit Tmurat Ola, il n'avait pas encore l'intention de continuer de lui coller aussi le nom de Shlamim. Et après, Nimlach, et il s'est rétracté, il a changé d'avis. Ve'amar Tmurat Shlamim, et après il a dit le mot Tmurat Shlamim, ce sera le substitut aussi du Shlamim. Alors là, dans ce cas-là, Arezo Tmurat Ola, l'animal aura une gdusha de Tmurat Ola. Il aura un statut de Ola et pas de Shlamim. C'est-à-dire, même principe qu'on avait dans la Mishnah précédente, selon Rabbi Meir, lorsque tu utilises deux expressions, alors la première expression, c'est elle qui se fixe, et la deuxième, tant pis, elle a plus de place, parce que tu ne peux plus rectifier ce que tu as dit. Selon Rabbi aussi, non, tu peux encore rectifier, pas exactement rectifier, à condition que tu ne changes pas d'avis, mais si depuis le moment où tu parles, depuis le début, ton intention elle est de dire ces deux choses-là, alors on te laisse finir ta phrase, on retient tout ce que tu as dit, et on va l'appliquer tel quel. Voilà, grosso modo, l'allure de la Mishnah. Mais sur ça, il faut apporter deux petites précisions. Tout d'abord, une qui est dans le Tosot Yom Tov, que même d'après Rabbi Meir, s'il avait dit
Tout ce que je me demande, c'est pas qu'il dit autre chose. C'est le Bar Tanoura qui rallonge pour expliquer de Rabbi Yossi, et on déduit entre les lignes quelque chose que je vais vous dire tout de suite selon Rabbi Meir qui a rapporté dans le Tosfot Yom Tov. Selon d'après Rabbi Meir aussi, que Adam nitfas bitrilat dvarav, qu'une personne se fait attraper par le début de ses paroles uniquement, mais et après il ne peut plus continuer. Il est d'accord, Rabbi Meir, que si j'avais dit le mot un réseau tmurat ola veshlamim, que dans ce cas-là, l'animal sera moitié-moitié. Selon. C'est-à-dire que même d'après Rabbi Meir, que Adam nitfas bitrilat dvarav, que au moment où je parle, je me fais attraper, c'est ces paroles-là qui vont se fixer, mais c'est. Il est d'accord que lorsque j'ai pas le choix d'agir autrement que d'exprimer selon un certain ordre, parce que je peux pas dire le mot Olaishlamim en même temps, je peux pas faire Oshelamim et mélanger les deux en même temps, c'est pas possible. Donc il est d'accord, Rabbi Meir, que ça existe de dire une phrase qui contient deux éléments, et puisque t'as pas le choix, alors les deux éléments vont se fixer en même temps. Mais pour ça, il fallait pas rajouter le mot Tumura. Le fait que tu as rajouté le mot Tumura, c'est un mot en trop. Alors là, ça s'appelle que tu as dit deux phrases. C'est-à-dire, d'après Rabbi Meir, en fait, si j'avais dit le mot Tumurat Ola Veshlamim, l'animal aura aussi une gdusha de Ola et de Shlamim, et comme ce que le Bar Tanoura nous a dit, en fait, comme ce que je vous ai dit, selon d'après Rabbi aussi, il faudra le vendre et récupérer son argent, et après amener avec la moitié un korban Ola et avec l'autre moitié un korban Shlamim. Même d'après Rabbi Meir, ça existe cette situation. Notre problème dans notre Mishnah, il est sur le fait qu'il a rajouté le mot Tumura en trop. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Et Rabbi aussi, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va répondre? Pourquoi tu parles pour rien? Pourquoi tu dis deux fois le mot Tmura? La réponse, elle est que c'est sur ça que le patron va rallonger pour nous expliquer. Non, c'est pas encore considéré comme deux phrases distinctes, parce que peut-être que cette personne qui a dit le mot Tmura Tola et Tmura Tchelamim, il avait en espoir qu'il allait réussir à faire une gdusha sur l'animal qui allait enfin pouvoir être offert en korban intégralement. Tel quel, être à moitié Ola, moitié Tchelamim. Il pensait qu'il allait pouvoir le faire, c'est pour ça qu'il répétait deux fois le mot Tmura. Parce qu'il connaissait une halakha, en fait. Je vous synthétise le Bar Tanoura. Tout d'abord, lorsque j'ai un animal, Khulin, que je veux sanctifier, qui va être moitié Ola, moitié Shlamim. Si je veux dire, la moitié sera Ola et l'autre moitié sera Shlamim. Alors là, il y a une halakha bien claire, bien connue de tous, que ce korban, il sera ni Ola ni Shlamim. Il faudra attendre qu'il ait un défaut et le vendre. Pour ensuite récupérer son argent et apporter avec la moitié un korban Ola et l'autre moitié un korban Shlamim. Ça, c'était une évidence. Lui, notre cher ami là de la Mishnah, il pensait, il connaissait cette halakha. Donc, il voulait, et or, il avait envie d'apporter un seul korban qui va représenter les deux en même temps. Du coup, il s'est mis à se dire cette phrase bizarre de dire tout moi à Ola et tout moi Shlamim dans l'espoir que cette fois-ci, il allait réussir à le rendre kadosh, moitié Ola, moitié Shlamim, et l'apporter tel quel. En réalité, ça ne marche pas, mais en tout cas, ça nous permet de justifier le fait qu'il ait dit deux phrases, et qu'il n'y a pas de raison de lui dire, non, dès que tu as dit une première phrase, tu te fais bloquer, et la suite, c'est un ajout que tu ne peux plus rectifier. Non, tout sera considéré comme une seule phrase, parce que depuis le début, tu avais l'intention en fait, de sortir les deux, parce que tu avais encore un espoir que c'était la phrase à exprimer pour que la gdusha puisse s'appliquer les deux en même temps. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.